Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, peinture abstraite, super simple, aucune technique. Je vais quand même rapidement vous expliquer ce que je fais au début, mais ensuite je ferai tout le temps la même chose tout du long. Comme d'habitude, je vous mets la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Pour les couleurs, je vais utiliser du rouge permanent pourpre, du carmin, du violet bleu permanent de chez Amsterdam, du blanc de titane et du bleu outre-mer de chez Lefranc et Pourchois. Et ça, c'est un mélange de jaune primaire, de terre de sienne naturelle et d'un tout petit peu de blanc. Voilà, c'est un reste que j'avais comme ça. Vous pouvez utiliser un ocre, ça ressemblera assez. Donc pour l'instant, je vais utiliser ces couleurs-là. Et puis de toute façon, vous aurez la liste du matériel et des couleurs dans la description si je rajoute des couleurs. Pour étaler ma peinture, je vais utiliser un pinceau plat à poil souple numéro 22. Je vais diluer un petit peu ma peinture en aspergeant ma palette avec un peu d'eau. En plus, ça évitera qu'elle sèche trop vite. Et je vais aussi asperger ma toile légèrement. Je rajouterai de l'eau de temps en temps quand je verrai que ma peinture commence à avoir du mal à s'étaler. Et voilà, vraiment c'est tout. Après ça, je vais juste étaler ma peinture. Donc je donne des coups de pinceau un petit peu dans tous les sens pour faire des dégradés. J'ajoute un rose un peu plus sombre. Là, je mets beaucoup de blanc pour réavoir mon rose plus pâle, vu que j'ai rajouté du plus sombre. Et ensuite, sans appuyer fort sur mon pinceau, je fais mon dégradé. Donc là, vraiment, j'effleure ma toile. Et ça, c'est plus facile à faire si vous n'avez plus trop de peinture sur votre pinceau. Donc ça a commencé légèrement à sécher. Et si j'y reviens dans une minute, ce sera plus facile. Du coup, voilà, je vais vraiment juste continuer comme ça, en me servant soit du plat de mon pinceau pour faire des lignes comme ça, soit directement dans ce sens-ci. Voilà, on verra. Et puis, pas de technique particulière à part ça. Thank you.
Thank you.
Voilà ce que ça donne. Comme je le disais, il n'y a pas besoin, enfin, ça nécessite aucune technique. Il faut juste avoir le compas dans l'œil, histoire de faire à peu près droit. Et encore, ça n'a pas à être parfait. Puis si vraiment vous voulez que ce soit vraiment propre, vous pouvez toujours utiliser du ruban de masquage pour avoir des lignes vraiment très nettes. Sur la fin, je ne vous ai pas expliqué, j'ai pour faire les lignes comme ça, comme ici, j'ai juste mis de la peinture sur la tranche de mon couteau et puis j'ai fait mes lignes avec la tranche de mon couteau. Donc là, encore une fois, voilà, c'est très simple. Il faut remettre de la peinture à chaque ligne ou toutes les deux lignes maximum. Et puis, il faut essayer de viser à peu près pour faire, encore une fois, essayer de faire droit, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je vous invite à passer faire un tour sur ma page Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.